Les amis, nous sommes dans le deuxième ou troisième, je ne sais même plus, épisode concernant ce petit Cupra Formentor en version VZ5. Je rappelle, 390 chevaux sous le capot, moteur 5 cylindres, système équivalent à la nouvelle RS3. Et là, aujourd'hui, dans cet épisode, je veux qu'on parle un petit peu de l'intérieur parce que on parle d'un véhicule qui est à mi-chemin entre un SUV et une berline compacte. Et parce qu'on est sur une version sportive, en plus, ici, on a des baquets. Et il y a pas mal de choses dont je dois vous parler à l'intérieur parce que pour la vie, pour la balade au quotidien, faut voir un petit peu si ça marche bien ou pas. Et il y a des bons et des mauvais points. On va dedans. À l'intérieur, comment ça se passe? Il y a des trucs très intéressants parce qu'en fait, il faut se mettre en tête que sur le papier, cette voiture, c'est un peu l'équivalent de l'Audi RS Q3. Et quand on regarde l'intérieur, sachant que ça vaut quand même moins cher de bien 10 000 euros, même de 13 000 euros si on parle que de prix de départ, eh ben je dois vous le dire, à l'intérieur du Cupra Formentor, on se sent vraiment bien. Mais vraiment bien au point où Audi a vraiment des soucis à se faire et tu commences à te dire mais comment ils font pour justifier leur prix, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour 60 000 euros, tu as quasiment plus d'options. Et déjà, rien que quand tu regardes le volant, on sent un petit peu cette approche sportive. En termes de position de conduite, c'est du bonheur. Alors attendez, je coupe quand même la musique. On a Android Auto, Apple CarPlay, tous les systèmes d'infodivertissement que vous pouvez avoir, un écran derrière le volant qui est assez cool et facile à prendre en main avec plein d'éléments que vous allez pouvoir personnaliser. Le grand écran central qui, en termes d'agencement, est peut-être pas si parfait que ça, honnêtement, c'est-à-dire que ça fait un peu posé là. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que en termes d'ambiance à bord du Cupra Formentor, j'ai pas grand-chose à reprocher. Je me sens vraiment bien dans cette voiture. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a une vraie personnalité Seat. Donc Cupra, c'est un peu technique, mais il faut dire les choses. On est sur un intérieur de Seat Leon un petit peu augmenté avec des petites touches pour donner une impression un peu plus premium. Et ben, ça marche vraiment bien. Les petits inserts de carbone, mais c'est pas carbone, c'est cuivre. Ils appellent ça copper. C'est entre cuivre et bronze. Et ben, ces petits inserts, même s'ils sont dans un plastique un petit peu glossy, qui font pas très riche d'une certaine manière, et ben ils sont agréables et apportent un petit peu ce côté Cupra que justement les clients qui vont vouloir cette voiture viennent apporter. Et après, il y a quand même 2-3 éléments à noter, parce que c'est une voiture dans laquelle on se sent bien, ça je l'ai dit, mais en termes de rangement, je suis un petit peu mitigé en l'utilisant au quotidien. La boîte à gants est pas super grande et elle n'est pas réfrigérée de ce que je peux voir. Et aussi, en termes de rangement, j'ai noté que vous avez la zone pour mettre votre charge en induction, ça elle est top parce qu'elle est légèrement inclinée, vous allez même pouvoir mettre un portefeuille, d'autres trucs dessus. Vous avez ici un petit espace qui est pensé pour la clé de la voiture, ou même venir mettre des lunettes, un petit stylo, ou même votre téléphone ou un portefeuille, ça passe ici. Puis, les ranges gobelets, ici, et un petit, une sorte de micro boîte à gants sous la coudoir dans lequel vous pouvez mettre quelques objets. Et en fait, après ça, sur moi, par exemple, en ce moment, j'ai une petite sacoche un petit peu grande. Et ben le problème, c'est que j'ai pas d'endroit. Dans le vide-poche, ça marche pas de ouf. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un grand bloc central qui nous sépare bien de la partie côté passager. Donc c'est un petit peu embêtant de le poser là si par exemple vous laissez votre portefeuille dedans. C'est des petits détails, mais en fait dans la réalité, quand tu poses une pochette, tu prends pas le temps de sortir ton portefeuille en te disant tu vas rouler. Non, tu la poses par exemple là dans la voiture ou dans le siège à côté. Et s'il y avait un vrai rangement en zone centrale, je le mettrais dans le rangement central. Et là, il n'y a pas. Mais en fait, on se sent trop bien dedans. Un des trucs qui est un peu surprenant, c'est que sur la version Cupra Formentor VZ5, le toit ouvrant n'est pas disponible. Du coup, ça m'a un peu manqué, surtout dans cette période de canicule. Je vous jure, j'aurais trop voulu avoir ce toit ouvrant. Et ici, on est sur des sièges optionnels, baquets, qui sont top pour le maintien. C'est-à-dire que moi, j'ai le dos large, et en termes de maintien latéral, t'es sur un vrai véhicule qui fait sportif. Le truc à noter, il y a l'assistant vocal qui s'est mis en route, le truc à noter, c'est qu'ils sont full cuir. Et le cuir, c'est pas top. En été, là, sous la canicule, je me suis brûlé. Ça, c'est un petit peu embêtant. Dès que tu vois que le soleil est un petit peu en train d'exposer tes sièges, tu te dis, ouh, voilà comment je vais faire pour m'asseoir. Et du coup, une option qui permettrait, une option qui permettrait d'avoir les baquets, mais en tissu, ce serait cool. Et en fait, ça m'amène même à vouloir les sièges de série, qui sont ceux que j'avais essayé sur la version 310, qui sont un peu plus confortables pour, par exemple, faire des longs trajets, qui ont quand même un bon maintien, qui viendrait bien accompagner le typage de cette voiture qui est assez costaud et dont on parlera quand on ira prendre la route dans un autre épisode, parce que, comme je te le dis, on prend le temps de découvrir cette voiture. Ces sièges sont excellents, mais si tu veux vraiment utiliser cette voiture plus en tant que routière que sportive, et ben en la combinaison des baquets plus
du typage de la voiture qui est vraiment ferme, je peux te dire qu'au bout d'un moment, tu es là et tu dis waouh, c'est un peu costaud. Mais si tu veux faire du sport, prends les baquets pour le coup, pas de souci. Je vais vous expliquer, en fait, le truc qui est un peu particulier, c'est ce qu'on voit dans les voitures modernes. En fait, c'est le design qui est un peu dynamique, du coup, le vitrage a tendance à se restreindre et les hauteurs de caisse montent un petit peu. Ce qui fait que vous pouvez voir que moi, en tant qu'adulte, ça marche plutôt bien et je vois à travers la vitre. Sauf que pour un enfant en bas âge, pour le coup, sa tête, elle sera bien plus bas. Alors, excusez-moi, mon corps est un peu imposant. Mais du coup, ma fille me disait, par exemple, j'ai un peu de mal à voir à l'extérieur et du coup, ça l'ennuyait. Surtout que il faut se mettre en tête. On est sur des baquets avec des dos qui ont un simili carbone. En vrai, c'est du plastique, mais ça marche plutôt bien en termes de style. Ils ont même pensé à les creuser pour les jambes, même si, comme vous pouvez le voir, en termes de place aux jambes, on est pas mal. Et du coup, le visuel sur les places avant, sur l'avant du véhicule, sur la vitre avant, est un petit peu limité. Donc, si vous avez des enfants qui aiment bien observer ce qui se passe autour d'eux, c'est vrai que c'est un peu contraignant, entre guillemets, de prendre cette voiture. Pour un adulte, par contre, vraiment, aucun problème. On a un accoudoir avec des portes de gobelet qui est bien moelleux, très bien joué Cupra. On a également Trapaski, ça fait plaisir parce que on a de plus en plus des constructeurs qui oublient de les fournir. Et surtout, on a une climatisation bizone avec un contrôle de la température qui peut être fait ici. Alors là, pour le coup, ça marche pas. Mais tu peux le contrôler, je le sais. On a deux ports USB type C. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas fini de manière incroyable, mais ils ont fait quand même l'effort de vous mettre un peu de soin. On a même des tapis de sol spécifiques. Là, en plus, ils sont notés VZ5. Enfin, voilà, il y a des petits détails qui font que tu es dans la continuité de ce qui est proposé à l'avant. Même sur les zones d'appui pour les coudes, tu peux voir qu'ils ont essayé de t'en donner un peu. Tu as les cuirs, tu as les surpiqûres. Voilà. T'as pas les lumières d'ambiance, ça c'est un peu dommage, mais on se sent bien à l'arrière de cette voiture, même pour un adulte. Honnêtement, 4 personnes, pas de souci. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est agréable d'être à l'arrière pour rouler? Ça, il faudra qu'on voit, mais c'est dans l'autre épisode. Aujourd'hui, on se concentre sur l'intérieur, ce que la voiture nous propose. Franchement, il y en a certains qui auraient tendance à dire, c'est ce que me disait Jordan, qu'il est un peu limité. Sauf qu'en réalité, moi je trouve que pour la vraie vie, pour le quotidien, sachant que je pars pas en vacances là tout de suite maintenant, il y a vraiment ce qu'il faut en termes de volume. Vous pouvez voir que j'ai mon petit aspirateur parce qu'il y a un point qui me fait tellement plaisir, il y a une petite prise électrique. Et ça, pour moi, ça change tout. Il devrait y en avoir dans toutes les voitures parce que ça veut dire que je peux charger mon ordinateur, charger mon aspirateur, charger les batteries des appareils photo. C'est ultra pratique au quotidien. C'est tout bête, mais ça fait la différence. Regardez, en termes de volume, franchement, il y a de quoi faire. Il faut savoir d'ailleurs que sur la version VZ5, comme la batterie est sous le plancher, il n'est pas possible d'avoir de galettes, de route secours, etc. C'est des éléments à savoir si vous prenez cette version. Mais volez côté coffre, à savoir qu'en plus, on a les petits rabats. Alors là, il y a le siège bébé, donc je vais le faire de ce côté-là. On a les petits rabats qui vont permettre de rabattre la banquette. Petits rabats qui permettent de rabattre la banquette, vous avez compris. J'ai noté un truc que tu ne peux voir que si tu expérimentes la voiture longtemps. C'est l'intérêt de ces essais. Regardez de ce côté-là, vous avez une petite loupiote. Et c'est cool, ça veut dire que la nuit, votre coffre est éclairé. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais le coffre assez chargé, donc j'avais des éléments qui étaient là. Et en fait, je voyais rien parce qu'ils en ont mis, il y en a que de ce côté. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas là. Donc si cette lumière est obstruée, vous n'avez plus de visibilité sur le coffre. Donc ça aurait été vraiment sympa qu'ils mettent des loupiotes des deux côtés. On peut également noter qu'il y a des crochets dans le coffre. Donc si vous voulez mettre un filet, des éléments attachés, vous pouvez le faire. Et sur chaque côté, vous avez des petits rangements qui vont vous permettre... Alors ça, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. C'est une figue. Il se trouve, parce que vraiment j'ai vécu avec la voiture, qu'on a récupéré des figues chez mon beau-père. Et visiblement... Oh mon Dieu. Ah, j'ai vraiment eu peur, putain. Ah. Du coup, vous pouvez voir que vous allez avoir des petits emplacements sur les côtés qui vont permettre à certains éléments de tomber. Donc, de temps en temps, jeter un œil, nettoyer votre coffre parce que ça peut faire peur. Mais au global, franchement, c'est une voiture qui est assez pratique avec des volumes, que ce soit pour les passagers ou dans le coffre, qui sont, à mon sens, suffisants. Et ça fait plaisir parce que du coup, j'ai vraiment passé du bon temps et me suis retrouvé avec une voiture pratique. Il faut que je me débarrasse de cette figue, du coup, on coupe le plan ici. Oh putain, oh, l'horreur.
Côté contre-porte, c'est intéressant d'observer ce que fait Cupra, parce que la marque commence, parce que ce n'était pas le cas au début je crois, à se vouloir un peu premium. D'ailleurs ça pose la question de qu'est-ce qui va rester à Audi, mais quand on voit le Cupra Formentor, on se rend compte qu'on n'y est pas encore, parce que en partie haute, clairement on est sur des matières simples. Ce que j'aime beaucoup c'est la zone de contact, et même cette matière qui est du plastique, mais qui a le mérite de faire soigner. Et honnêtement, je suis même pas sûr que vous ayez beaucoup mieux dans une Audi à peu près accessible. Je parle pas forcément du haut de gamme, mais Audi, ils ont tendance à redescendre un petit peu. Là, vous avez un simili-cuir avec des surpiqûres. Également ici, pareil, simili-cuir. Mais en fait, le fait d'avoir les surpiqûres, des motifs un petit peu travaillés, fait que vraiment, quand vous vous posez dans la voiture et que vous voyez ces éléments-là, ça augmente un petit peu l'expérience à bord du Formentor. Alors que sur le reste, c'est vraiment des plastiques d'une simplicité vraiment maximale d'une certaine manière, mais ça pose pas problème parce que globalement, en plus, quand on voit le travail qui a été fait sur les ambiances lumineuses, et ça il faudra que je vous montre de nuit, on va faire un petit passage de nuit juste pour que je vous en parle, mais le travail d'insert lumineux qui est ici mais également caché là et qui vraiment prend tout le tableau de bord d'une manière très fine, fait que là où d'habitude moi la nuit j'éteins les éclairages d'ambiance, ben là je les ai laissés parce qu'ils accompagnent vraiment l'expérience Cupra en venant, quand vous n'êtes pas en train de rouler comme un forcené, et ben apaiser un petit peu l'ambiance à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est une des grosses forces du 5 cylindres, c'est qu'il a cette capacité à se détendre. Mais encore une fois, c'est pour un autre épisode où je vous montrerai tout ça. Mais en fait, globalement, du coup, on a une sensation, une volonté de la part de, j'allais dire d'Audi, mais de Cupra, d'essayer autant que possible, en trichant d'une certaine manière, de faire en sorte que vous ayez l'impression d'être dans un véhicule qui sente le premium. Et on peut même noter d'ailleurs au niveau des seuils de porte que on a le petit badge Cupra qui est rétro-éclairé. C'est un détail, mais en réalité, au quotidien, c'est les petits éléments qui viennent soigner un peu votre expérience et vous donner l'impression que vous êtes dans un véhicule de qualité. Et le multimédia, hein, le multimédia. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire les amis, parce que j'ai passé pas mal de temps avec la voiture et sur le papier ça paraît stylé, et je trouve quand même qu'il y a quelques problèmes, c'est-à-dire que c'est un peu trop lourd. C'est bien sur le papier, mais il y a plein de petits éléments qui vont faire qu'au quotidien c'est un peu embêtant d'utiliser le système, parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, là et la zone sensitive. Alors, c'est pas un vrai problème, mais au quotidien, vous avez des petits éléments qui vous font comprendre qu'ici, vous allez pouvoir avoir le contrôle sur la clim. C'est-à-dire que c'est bleu pour le froid, rouge pour le chaud. Et logiquement, quand tu vois ça visuellement, tu as envie de passer tes doigts comme ça. Sauf qu'en réalité, la zone tactile, elle est plus en partie haute. Vous pouvez voir que la température est en train d'augmenter. Et au début, en fait, c'est juste que ça manque d'intuitivité. Surtout que, là, sur le papier, c'est un détail, parce qu'une fois que tu connais, tu le sais. Mais le problème, c'est que quand on est de nuit, et ben ces petites zones rouges et bleues là, elles sont pas rétro-éclairées. Donc je me suis retrouvé de nuit à vouloir essayer de le toucher en tactile et j'arrivais pas à trouver ma zone parce que forcément mon habitacle est très sombre. Et le fait que ce soit pas rétro-éclairé, c'est un peu embêtant. Et même si effectivement on a un raccourci direct pour augmenter la clim, des éléments tactiles ne sont pas agréables quand tu veux gérer ta clim. Alors après tu peux toujours aller ici et avoir encore une fois un autre raccourci via l'écran, mais encore une fois, des boutons physiques n'auraient pas fait de mal. C'est-à-dire que à chaque fois, en fait, je me suis retrouvé avec l'envie au final de me dire tiens, Android Auto fait quand même mieux les choses, parce que des éléments tout bêtes comme aller dans la zone véhicule, là ça marche bien, mais le nombre de fois où j'ai appuyé sur ça parce que j'avais par exemple besoin d'aller sur la caméra de recul où j'appuie là, et vous voyez là c'est très court, mais les temps de chargement par moment sont longs, c'est à dire que généralement quand tu as besoin de ta caméra de recul c'est tout de suite, c'est à dire qu'il y a un élément qui est en train de se passer sur la route, tu veux pouvoir voir un peu mieux qu'avec tes propres yeux, du coup tu as besoin de la caméra de recul. Et ça, et c'est pas spécifique à Cupra, mais il faudrait que dans les véhicules il y ait un bouton direct vers la caméra de recul, parce que admettons que je sois dans Android Auto, je suis dans Android Auto, je conduis tranquillement et d'un coup je fais ça, hop, j'attends, ensuite là je peux avoir accès. Et ça marche, là ça marche vraiment bien, je vous le dis, parce qu'il y a des moments où honnêtement ça n'a pas été le cas. Autre truc qui m'a un peu embêté, c'est l'affichage des roues en latéral pour la caméra 360, parce que on voit un petit peu la roue avant, c'est-à-dire que si je brasse mes roues, vous pouvez voir que je vois la roue avant, mais on voit pas totalement la roue arrière. En réalité là, ce petit truc que vous voyez, c'est un peu les roues arrière, mais la représentation est tellement déformée que c'est un peu difficile de comprendre où est le bord de votre voiture, et surtout
Le problème, c'est que le Cupra Formentor est un véhicule assez massif. En ville, c'est problématique parce que, en termes de position de conduite, bah, je suis assez bas et pourtant là, mon siège n'est pas au plus bas. Donc vraiment, c'est des petits éléments comme ça qui, au quotidien, font que l'usage de la voiture est un peu compliqué. Pareil que pour les drive profils. Alors certes, tu peux le faire directement via le volant, mais à chaque fois, quand tu viens utiliser cet écran, vous l'avez vu ce temps de chargement, c'est un peu long. Si tu veux aller dans la zone de clim, comme tout est tactile, alors là, par exemple, je peux aller par ici, quand ça marche, là, si, là ça change, et si j'appuie un coup dessus, ok, ça fonctionne. Mais du coup, je vais aller, vous voyez, je commence déjà à m'y perdre. Alors, ça fait plus d'un mois que j'ai la voiture, un peu moins d'un mois, mais j'ai jamais vraiment pris la main. En fait, c'est là. Mais par exemple, du coup, réglage de l'avant, c'est ici. Réglage de l'arrière, c'est ici. Mais tu as aussi une zone qui va te permettre d'avoir des raccourcis spécifiques pour chauffer les mains, chauffer les pieds, refroidissement rapide. Et à chaque fois, en fait, tu es là et tu dis, mais pourquoi il y a 140 000 menus? C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une zone de notification. Et en fait, il y a des moments où elle se déplace. C'est-à-dire que si je reviens, évidemment, comme par hasard, je vais pas vous le trouver. Mais vraiment, le problème que j'ai eu avec la voiture, c'est qu'à chaque fois, il y a plein de petits éléments qui font que c'est pas très pratique à utiliser. Vraiment, Android Auto, ça a été ma solution. Et si on parle de l'écran derrière le volant, là, je trouve quand même que c'est un peu mieux fait. Parce que déjà, vous avez le choix des affichages. Donc, vous avez celui-là qui est plutôt pour le côté sportif, avec en plus, à chaque fois, la possibilité de personnaliser les éléments latéraux. Donc, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez afficher. Regardez, par exemple, ici, je peux dire que je veux ma consommation moyenne ou mon autonomie. On a également cette vue-là, qui est pas mal pour garder un œil sur son GPS, et également celle que j'ai majoritairement utilisée quand je suis dans un usage classique, c'est celle-ci, parce que du coup, quand je suis en position centrale, alors hop, en fait là, très rapidement, j'ai un raccourci vers le Lane Assist, ce qui fait qu'en deux touches, en deux appuis, je peux le désactiver, sachant qu'il se réactive à chaque fois que tu montes dans la voiture. Mais vraiment, c'est cool de pouvoir se reposer sur cet écran qui, en termes d'interface, est un peu plus maîtrisable, un peu plus personnalisable, parce que le grand écran, même s'il est bien agencé, bien positionné, l'interface est beaucoup trop complexe. Certes, vous avez des raccourcis, que d'ailleurs vous pouvez également personnaliser, mais les temps de chargement sont un peu longs, la manière dont c'est agencé est un peu longue. Moi, j'aurais voulu pouvoir, par exemple, avoir un raccourci direct vers ma caméra de clim. Alors, si je le voulais, je pourrais également modifier ici, c'est-à-dire que là, si je reste appuyé, vous allez voir qu'elle va me proposer, par exemple, de mettre véhicule. Mais, et du coup, hop, j'appuie. Et là, vous voyez, j'ai un raccourci vers ma clim. Mais si je suis en train d'utiliser Android Auto, pas caméra de recul, mais si je suis en train d'utiliser Android Auto, eh ben, ça veut dire que je dois d'abord faire ça, charger et ensuite passer là. Alors ça marche, mais c'est pas assez rapide. Surtout que là, ça marche mieux que ce qui s'est passé dans la vraie vie à bord de la voiture. Il y a aussi un assistant vocal que j'ai absolument pas utilisé parce que, encore une fois, OK Google, qui peut-être va marcher, parce que si je suis pas directement dans Android Auto, il met 100 ans à s'activer. Mais en fait, le multimédia est bon, il y a tout ce qu'il faut, mais un peu trop long. Et du coup, l'usage au quotidien, et franchement, mon retour est mitigé. Mais Android Auto fait le taf, du coup, ça suffit. En fait, les amis, on arrive... du coup, pour conclure sur... alors, pour conclure sur cet intérieur, j'ai vraiment des trucs intéressants. Pour conclure sur cet intérieur, les amis, en fait, ce que je dois dire, c'est que bah, j'aime vraiment beaucoup ce que propose le Formentor. Et je vais être honnête, j'aime même plus que ce que peut proposer une Audi. Pour une raison simple, c'est que, comme je vous le dis, sur le multimédia, il y a des éléments qui me font défaut. Vraiment, en termes d'interface, d'ergonomie, de rapidité, c'est pas parfait. Mais en fait, par contre, la Cupra Formentor a un intérieur qui a une vraie personnalité. Ajouté au baquet, ajouté au volant sport, à la construction du tableau de bord, et ben en fait, t'as une voiture qui est vraiment agréable à retrouver parce que juste ce petit bandeau de lumière dans le tableau de bord, bah ben à chaque fois que tu vas prendre la route, il est là que pour t'accompagner et venir mettre un peu de chaleur dans l'habitacle, là où par exemple dans une Audi, c'est un peu trop froid. Ce qui fait que au quotidien, quand tu te poses dedans, alors que sur le papier, toutes les matières ne sont pas incroyables, et ben t'as l'impression de rouler dans une voiture qui est un petit peu là-haut. Faut le dire, vraiment, je vous le dis, j'ai eu cette sensation d'être dans un truc qui prend un peu soin de moi. Il faut pas se mentir, les gens te regardent un petit peu, t'as ce côté Batmobile qui, en plus, est dans le style extérieur, mais également à l'intérieur. Du coup, au quotidien, en fait, c'est trop bien d'utiliser ce Cupra Formentor parce que c'est une voiture qui est différente, c'est une voiture qui est pas parfaite, mais c'est une voiture qui a une personnalité. Et aujourd'hui, surtout sur un SUV, c'est pas un truc qu'on a souvent. Et du coup, la voiture fait la différence
différence. Alors en plus, forcément, quand tu mets un moteur 5 cylindres dedans qui ronronne, qui glougloute et que tu as le volant, les baquets qui vont bien, bien, tu te dis, c'est la voiture que j'ai envie d'avoir au quotidien. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire. La question que je vais vous poser, par exemple, c'est entre ça et tous les autres SUV dans le genre qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas la meilleure solution d'une certaine manière? J'attends de vous lire et évidemment je vous réponds. On se voit très bientôt pour un autre épisode de mon petit Cupra Formentor VZ5. Des gros bisous. Salut.